je n'y retournerai plus. Adossé contre un chêne, je suis perdu dans la lecture des livres que tu m'as offerts, où tu te dévoiles à moi dans le plus profond de ton être. Sur une page entrouverte, un papillon d'une rare beauté vient s'y poser avec tant de grâce qu'il capture mon attention pour me transporter avec lui un instant. Alors qu'il reprend son vol. Ce bref moment d'évasion vint ranimer en moi des souvenirs bien enfouis du passé. Je revenais en pensée sur la vie passée, où ce qui dominait ma vie était l'égoïsme centré sur moi-même, de rechercher toujours ce qui allait d'abord me faire plaisir. J'obéissais à une loi, celle du moi, qui devait imposer sa volonté sans se soucier de son créateur. Combien de chemins égarés j'avais pris sur cette route de l'indépendance et de la révolte face à mon Dieu. Mais par sa grande miséricorde, il a su me ramener sur les droits chemins, sur des pâturages arrosés, et ma gourde d'eau fut de nouveau remplie. Aujourd'hui, mon livre ouvert devant ce chêne, je peux dire et faire retentir dans les falaises de mon cœur que je n'y retournerai plus. Combien de fois tu aurais voulu me rencontrer là, dans ce petit bois, pour me faire découvrir les trésors éternels que tu réservais pour moi. Mais c'étaient les châteaux de paille de la vie, avec tout ce qu'ils renferment de flétrie, qui attiraient mes regards, parce que mes yeux étaient voilés. Aujourd'hui encore, je peux te dire, Jésus, avec des yeux inondés de larmes, que je n'y retournerai plus. Tu m'as appelé quand je ne connaissais point ton nom. Tu m'as racheté quand j'ignorais même encore mes prisons. Tu t'es donné à moi quand j'avais tout perdu. Aujourd'hui, adossé là contre ce chêne, je veux lire l'histoire de ta vie et te suivre. Et de ma vie passée, perdue dans les marécages de Suse, je viens te redire une fois de plus que je n'y retournerai plus.